Bonjour à toutes et à tous. C'est Tsukwesi Mandapoli, Bandi Mangourou. On est aujourd'hui là. On est au Seekers Event. Enfin. Et du coup, on va demander aux gens du coup combien coûte leur paire et le modèle. Le modèle aussi. Numéro 3, je crois. Là. 3, ouais, et aussi le top 3 de leurs sneakers favorites. Voilà. Et bien sûr, la cloche. Activez la cloche, hein, ici là. C'est parti. Salut, comment ça va? Ça va bien et toi? Bien, bien. Et toi aussi? Nickel, on est là. Donc là, vous rentrez du Sneakers Event ou vous allez... Là, on revient du Sneakers Event. Là. Alors, c'est comment alors? Vous avez pris des bonnes paires là? Ah, ça, c'était la folie, c'était le feu. C'est bien. C'était le feu. C'est carré. Donc là, vous êtes un peu des high beasts, hein, ce que je vois. Hein. Non, même pas léger. Suprême tout ça. Alors, du coup, dites-moi, c'est quoi la marque de vos paires et le prix de tes sneakers? Adidas Easy 500 Salt. 200 euros la paire. 200 euros la paire, d'accord. Ouais. Alors c'est les Yeezy 500 et elles coûtent 200 balles. 200 balles, d'accord, ok. Ouais. Elles sont quand même bien usées. Hein. Ouais, je les ai bien. Hein ouais. Voilà. Et le prix? C'est des Yeezy Frozen Milo et tu peux les copier à 220. Combien elles coûtent? Alors ma paire c'est une Nike Essential à 100 euros. 100 euros, pourquoi? On peut la trouver partout, sur courir, n'importe où. Tu viens de l'acheter ou? Non, celle-là je l'avais depuis longtemps. Longtemps. Bah, c'est vrai, en tout cas c'est bien quand même entretenu. Hein. Ouais, t'inquiète. Et toi du coup? Moi du coup c'est des Nike Techno que j'ai acheté à 100 euros. Yes. J'ai acheté ça dans l'inconscient, je t'avoue, j'étais fatigué. Ouais. Je suis rentré dans cette boutique, j'ai acheté. T'as pris comme vois. Ça? Ouais. Achat impulsif direct, tu vois. Le prix retail, mais. Je les ai achetés cher. Très cher, ouais. Une fourchette peut-être. 550. Et il parle français. Il... 550. Et il parle français. Il les a achetés là. Ouais, juste là. 2 heures. Combien elles coûtent? J'aimerais savoir tout. Ouais. Ça, Blazer Off-White. Ouais. Je sais pas, 500 balles je crois. 500 balles. Rissel, ouais. Rissel, ouais. Okay. Ouais. Et toi du coup ta paire? Moi, je suis pas trop hype, Jordan 5 normal, ouais. Et ça coûte, je sais pas, 150 balles max. 150 balles. C'est pas cher du tout, mais c'est ce qui se porte le mieux, je trouve. C'est des Jordan 1. Okay. Et toi? Et moi des Jordan 3. D'accord. Et le prix en fait, c'est quoi le prix? Moi c'est à peu près 110 euros je crois. Okay, 110, et toi? Et celle-là c'est combien? 100 euros. Ah d'accord, tu sais pas le prix de tes... Salut. Là c'est une paire de Human Race Multi. Ouais. Bah là j'ai acheté là du coup. Bah j'ai acheté 210 euros. Ouais. Mais je pense que Rissel a coûté 250, un truc comme ça. Bah ils sont bien hein. Ouais c'est pas mal. C'est vraiment bien. Ouais, j'aime bien ouais. Y'a bon délire. Et toi du coup, ta paire? Et du coup combien? Bah elle c'est une Bread, je l'ai acheté 200 euros mais je l'ai pas acheté aujourd'hui. Celle que j'ai acheté aujourd'hui c'est celle-là. Vas-y montre nous. Putain tu me sens ça du coup. C'est du Presto Off-White. Aïe 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 aïe, il est magnifique hein. Aïe. Tu as bon goût hein. Tu as bon goût quand même, waouh. Parce que moi d'accord, en plus je kiffe les Off-White donc Et toi du coup, ta paire? Alors, moi c'est une Jordan 1 Bretto, donc je l'ai pas acheté aujourd'hui. Sur StockX elle coûte 450 euros mais moi j'ai acheté 350 euros. Ouais, ok, ça marche, ok. C'est des Nike Off-White Volt et je les ai payés 600 euros. Ah ouais? Ouais, je viens de les acheter là. Ah d'accord, ceux-là là. D'accord. Ouais, ils sont carrés, hein, franchement. Bon, là j'ai pas la tenue pour, mais c'est pas grave. Et toi? Moi c'est des Jordan 1 Travis Scott. Je les ai payés 200 euros. 200 euros? Ouais, d'accord. Et moi je les ai achetés retail 160. D'accord. Voilà, okay, mais à l'heure actuelle elles valent. Je sais pas sur StockX ça sent à 1000, mais 9. 1009. C'est une paire de Nike Sean Witherspoon. Ouais. Je l'ai payé à un bon prix, 310 euros. Ouais. Mais c'est une vraie, c'est pas une fausse. C'est vrai ça? Ouais, c'est une vraie. Et toi du coup? Moi c'est une paire de Haven Like Them. Ouais. Nike exclu du coup, elle est sortie aux États-Unis. Mm-hmm. Bah, c'est mon pote qui me l'a ramené de New York. Carrément. Ouais. Wow. Et du coup je l'ai acheté 120 $. C'est retail quoi. Mais très sympa et tout, j'aime bien. Ok. Et le prix? C'est des Nike Off-White Zoom Fly, les noirs. D'accord, ok. Et qu'est-ce que tu as dans ton sac? Les Nike Presto Acronyme. Voilà. Attends, recule un tout petit peu, voilà. Les Nike Presto Acronyme. Ah ok, oh putain, ouais, magnifique. Quelle beauté. Et est-ce que vous savez le prix? De quoi? D'elle? Ouais. 200. 200, ok. Et celle que tu portes là? Moi j'ai acheté 300. Okay. Moi c'est une paire des années 1995, un truc du style. Ouais. Elles ont peut-être 20 ans, 25 ans. Ah ouais. Les Converse, là, c'est les toutes premières Converse là. Putain ouais. Puis j'ai les Vulca chez moi aussi. Ouais. Les Off-White. Donc ouais. Ah, franchement ça tient à la route hein. Ça tient vraiment hein. Ouais, ça tient vraiment. Ouais. Hein. 25 ans ça fait encore l'affaire. Hein. Et toi du coup alors? Bah moi c'est une petite paire de Sean Witherspoon là, je les ai depuis... On les voit souvent ici hein en tout cas. Ah ouais, j'en ai vu plein. Je les ai depuis une semaine et je les ai payés 180 du coup. Ouais, propre. Et du coup dis-moi, c'est quoi ton top 3 des paires préférées? Ton top 3 qui t'ont vraiment marqué?
En ce moment là, la top 3. Ouais, vas-y. Là j'ai la Yeezy 700. Ouais. J'ai la Converse comme des garçons. Comme des garçons. Ah moi j'aime pas trop. Ouais, ouais, ok. Et la dernière en ce moment là, c'est la 350, okay. La V2 Zebra pour l'instant, c'est mieux sur mon top 3 pour l'instant. Ok, d'accord. Et toi du coup, top 3? Moi, 350, ouais. Comme des garçons pareil, et après Nike Techno. Nike Techno. Ouais, ouais, mais jaune et noir, commence à sortir aussi jaune en jaune et noir. Hein. Ouais, ouais. Moi je trouve qu'elles sont bien colorées, il est pas mal. Hein, ouais, elles ont un délire de spi, ouais, mais ouais. Les Jordan Travis Scott, okay. Là je viens de les trade en plus. Les Off-White Vault, okay. Et je dirais une Jordan Spider-Man. Wow. La Spider-Man, la rouge. Elle coûte combien celle-là? Je sais pas, je vais dire 400 à peu près. Il y a la Off-White Jordan 1, ouais, tu vois, le classique, tu vois. Ouais, Jordan 1 classique. Ouais. Après, il y a. Après, je suis plus dans la Jordan, tu vois, Jordan. Ah, t'es bon Jordan toi, vraiment. Jordan 4. Ouais, ok. Du moment, la Bred, tu vois, la Bred en ce moment, ouais. Elle est lourde, tu vois. Et après, je sais pas, tu peux classer, une petite Air Force One Travis Scott. Ah, elles sont bien celles-là. Hein. Celle-là, elle me plaît, tu vois, elle me plaît. C'est de vos paires favorites. Bah, les Travis Scott en ce moment, là, celles qui viennent de sortir. Tout le monde parle de ça, ok. Bah là, il y en a 400, là. Ok, et du coup, la deuxième. Je sais pas, les Jordan 1 Off-White, les blanches et rouges, okay. Elles. Et les troisièmes... Les Converse Off-White, ouais. Et les Converse Dior aussi. Dior, ouais. Bien. Les Flash Track aussi de chez Gucci. Non mais dis-moi, c'est quoi le prix des Converse Dior, le prix? Ça doit être 800 euros, quelque chose comme ça. Les Flash Track, c'est pas 1002, je crois. Alors, dis-moi juste une dernière paire favorite. Tout de suite, là, maintenant... Franchement, en ce moment, les Travis Scott, c'est... Moi, j'aime bien les nouvelles Balenciaga, mais je sais pas combien elles sont. Perdu, mais... Franchement, ouais, elles sont douces. Hein. Ouais. Okay. Moi, je suis plus père un peu à l'ancienne. Ouais. Donc, pour ceux qui connaissent, Nike Red October, enfin, c'est pas à l'ancienne, mais ça, c'est le Graal. Okay. Après, petite paire de Jordan 5, ouais. Grape, 90 l'année, neuve, serait top. Et un peu de hype, je dirais, je sais pas, il y a quoi alors en ce moment, un truc cool. La Travis là. Travis aussi. C'est d'hier. Travis. Ouais, Travis Scott d'hier, okay, elle était cool. Elle était cool. Mal, on s'est pris un gros L, mais non, elle était cool. Moi c'est les Pharrell Williams, Man Race. Ensuite c'est la Jordan 1 Off-White, on va dire la Chicago. Et ensuite, peut-être celle-là, j'aime beaucoup. Hein. Celle-là? C'est la Air Max 90 Off-White, la première. Ok, ça marche. Et toi? Moi, ce serait en premier la Jordan 1 Off-White, la OG, la rouge. Et en deuxième, ce serait la Waterspoon, celle-là. Et en troisième, ce serait la Spider-Man aussi, hein, la Jordan 1 Spider-Man. Ton top 3 des paires préférées? Pour moi, ça commence déjà par la Vulca, la Off-White, ouais. Vulca. En deuxième, je mettrais peut-être la V2 Presto Off-White, ouais. La blanche. Et puis en troisième, peut-être ouais, la Waterspoon, qui passe vraiment bien. Ouais, qui passe vraiment bien. Donc, voilà. Et toi, du coup, top 3? Bah, top 1 déjà, les Shane Waterspoon, normal. Tu le mets en numéro 1 carrément? Ah ouais, parce que franchement, tu sais que c'est la paire de mes rêves. Hein. Carrément, franchement, c'est la paire de mes rêves, je les voulais trop. Eh bien, ok. Et après, j'ai en deuxième, les Supreme Snake Skin. Ouais. Et en 3, franchement, les 90 Desert ou alors les Presto. Presto. J'hésite entre les deux. Ok, ça marche. Off-White. Les 700. Les 700. Ok. Les Triple S, si tu les mets bien. Wow. C'est quoi si tu les mets bien. C'est quoi le prix des Triple S? C'est 650. D'accord, ah ouais, quand même. Et en 3, je sais pas, une autre paire d'Easy. Easy? Ouais. Ça marche. Les Easy, elles sont confortables. Du coup, moi, mon Instagram, c'est Wesco, WXSKO. C'est un peu compliqué. Ouais, WXSKO, et voilà, c'est tout. Et toi? Vas-y, ajoutez tous sur Insta, VICKVN, surtout les filles. Ah, ajoutez tous Cardelito avec un K. C'est gang, vous allez voir, c'est gang. Okay. Numéro 1, c'est celle-là. Ouais. Numéro 2, c'est la Jordan 1 Bred. Ouais. Et numéro 3, c'est la Jordan 4 White Cement. Ça marche. Et toi, du coup, top 3? Ah, je sais pas, hein. Il y a plusieurs paires que j'aime bien, je peux pas dire top 3. Bah ton top, voilà, sans classer, mais voilà. Moi j'aime bien la Tom Sack, la toute première, la 1.0, elle est très très belle. Ouais. J'aime bien la Waterspoon, ouais ça va, normal. Et j'aime bien la Travis Scott, celle qui vient de sortir. Ah bien. Ça allait bien, mais ah, ouais, bien. En tout cas merci à toutes et à tous d'avoir vu cette vidéo.
Mettez en commentaire du coup le prix de vos sneakers et la marque, bien sûr. Et bien sûr aussi le top 3, bien sûr. Top 3 aussi, c'est et important. Likez, commentez, partagez, bien sûr. Tu connais. On vous dit à très bientôt. Et la cloche, hein. À la cloche, fais la cloche. Et ciao.